C'est beau, hein? Ouais, je sais. Bon, c'était pas beau faire ça que je faisais une petite vidéo aujourd'hui, les amis. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu spéciale en direct d'une partie du bureau de la Salty Academy. C'est là que eh bien, on se retrouve en cours quasiment tous les soirs à 20h, comme vous le savez. Et puis derrière, vous savez, c'est les bureaux. Après, il y a le bureau de mairie, etc. Et puis après, il y a le reste du campus. Un jour, je vous le ferai voir. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale parce que, en fait, je voulais faire une espèce de tuto parce qu'en fait, alors, je vais vous montrer. Parce que, bon, ça, c'est le fond vert, etc. Bon, voilà, ça, c'est le bordel. Les photos, il y a déjà une vidéo là-dessus. En fait, je voulais installer ici. Ça, c'est un mur, en fait. Voilà, on dirait pas, mais ça ressemble bien à un mur. Donc, ça, c'est le setup avec une. Ça, c'est de la Perrier, en fait. Voilà, donc je ne bois pas d'alcool. Instagram, d'ailleurs, si vous voulez me follow. Bref. Et du coup, voilà. En fait, je voulais installer ici ce truc-là. Voilà. Donc en fait, j'ai reçu ça et je voulais l'installer là. Donc je me suis dit, je vais faire un tuto. Voilà. Ça a l'air absolument exceptionnel. Donc le tuto va se composer de comment arriver à foutre ce truc-là. Hein? On a le droit de marquer les marques. On s'en fout. Scotch, si vous voulez travailler avec la Salty Academy. Oui, bon, on n'est pas le. Ouais, bon, laissez tomber. Ok, donc du coup, ça, hein, on va le mettre là, ici, sur le canapé. Et puis après, il va falloir qu'en fait, je mette ces trucs-là. Parce que j'en ai quatre à mettre. Et je sais pas trop comment faire. Donc du coup, c'était aussi la raison pour laquelle j'ai voulu faire une vidéo. Parce que je me suis dit, si je fais ça, la vidéo, eh bien, vous, en commentaire, toi là, eh bien, tu vas pouvoir me dire si, comment ça marche. Parce qu'en fait, j'ai déjà fait un essai avec cette carte de la Bolivie. Ça n'a strictement rien à voir. Alors, voilà, carte de la Bolivie avec le désert de sel, c'est de là que, il est où ce con? Ouais, il est quelque part par là, ne fais pas chier. Ça, c'est la Bolivie. Dedans, il y a un désert de sel. Voilà, c'est comme Where is Waldo, hein? Où est Charlie? Il faut le trouver. Donc, et c'est là que la Salty Academy est partie d'ailleurs. C'est là que l'idée initiale de la Salty Academy est partie, dans le désert de sel, le Salar d'Uyuni de Bolivia. Oui, monsieur. Donc du coup, ouais. Alors donc ça ne marche pas, hein? Vous le voyez? Ça c'est les trous. On s'en fout. Ne pose pas la question en commentaire. Donc ça. C'est décollé. Donc ça marche pas très bien. Donc je me suis dit que j'allais. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, j'attends personne. Qui c'est qui vient frapper à ma porte comme ça? Alors bon, ça, vous avez le couloir de la Salty Academy, comme vous voyez. Puis au bout, après, il y a le bureau de mairie. Après, il y a encore à peu près 35 pièces, vous le savez. Qu'est-ce que c'est? Alors là, on descend en fait, hein. Après le bureau de la Salty Academy, voilà, il y a pas mal d'étages, vous le savez. Vous voyez une partie du jardin de la Salty Academy, c'est un peu un spoil. Normalement, vous voyez rarement sur les streams une partie du jardin de la Salty Academy. Et puis après, bah, vous avez Sophie qui habite juste en face là. Sophie, c'est la pharmacienne de la Salty Academy, hein, juste en face. Et puis après, la pharmacie est au-dessus, en dessous, et en dessous, on a. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon bah à mon avis je pense que hein, on a compris hein, voilà on est venu me livrer une espèce de colis sur le devant du studio de la Salty Academy, en tout cas de mon studio de stream. On n'est pas dans le bureau mais bon voilà et voilà et du coup bah, la question c'est qu'est-ce que c'est que c'est qu'est-ce que c'est bon. J'ai envie de te dire, à un moment, t'as une boîte, tu l'ouvres, quoi. Alors, bon, dans l'armée, on te dit en règle générale, quand c'est inconnu, touche à ton cul. Bon, on n'est pas dans l'armée ici. Du coup, je sais pas pourquoi je dis ça non plus. Alors, oui. Donc, c'est parti. Bah, écoutez, on va l'ouvrir ensemble et on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Ça a l'air d'être une bonne idée. Alors, il y avait plusieurs choses qui. Pop, pop, pop. Mais c'est sympathique tout ça. Mais c'est sympathique tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a des.
Des charm packs, ok. Donc ça c'est sympa, très sympa le packaging. Alors attention, attention, si vous êtes un enfant de moins de 13 ans, vous ne pouvez pas ne pas ingérer. Fais gaffe du coup le bouffe. Alors autrement, bah voilà, on en a un autre. C'est cool ça, dites donc. Ah, je vais me faire un plaisir de tout ouvrir, putain, et c'est stylé, le packaging très stylé, la matière est hyper sympa. Ouais, bon, je vais pas non plus faire des vrais openings, il va se calmer l'autre, on va pas non plus faire... Le carton est excellent, la texture est bonne, excellent, suivez-moi sur Instagram. The Lord Tachanka, ok? Donc Tachanka, lui aussi, très sympa, très très sympa. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Et puis un petit snapback aussi. De la part d'Ubi. Donc pour la Salty Academy, bah certainement, écoutez, pour nous remercier de tout ce qu'on fait, je pense, au quotidien, et de tout l'amour qu'on donne à Rainbow Six, sachant que nous ne disons jamais du mal de Rainbow, nous ne parlons jamais de bugs sur Rainbow. Putain, ça prend jamais ses têtes. Ah, je plaisante, calme-toi là-bas derrière ton écran. Bon. Attendez. Parce que on a des potes, hein, vous le savez, à la Salty Academy, on a la Fragile Production, on a les personnes comme White Shark, etc., Tony FPS, et ils ont déjà reçu ce genre de colis. Mais attendez, attendez, parce que ouais, j'ai jamais vu ça, moi, avant. Il y a une espèce de double fond que si on enlève. Ah ouais. Ah ouais. Ah ok, il déconne pas. Il déconne zéro. Mais attendez, 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 juste un truc. Si on réfléchit bien, déjà d'une, premier élément, moi je pars en vacances pendant une semaine. D'accord? Donc la Salty Academy, vous le savez, pendant une semaine là, elle va être très calme. On va quand même sortir une vidéo tous les 2 jours, comme d'habitude sur YouTube. Celle-là, c'est l'annonce du fait qu'on va sortir une vidéo tous les 2 jours. Normalement, on est à 5 vidéos par semaine. Et normalement, vous le savez, c'est 17h45 tous les jours et le stream à 20h. Du stream à 20h, il n'y en aura pas, en tout cas de mon côté, et pas non plus du côté de Mairie, puisque on est en vacances scolaires. D'ailleurs, ça me permet de rappeler ce qu'on a rappelé sur Twitch la semaine dernière, à savoir que pendant toute cette période estivale, la Salty Academy, comme une vraie académie, elle va être tranquille. D'accord? On va essayer de faire le maximum de contenu qu'on peut, mais pendant l'été, ça va être calme. Et après, il y aura la rentrée. En revanche, pour la rentrée. Oh God, oh God, on vous a préparé un sacré paquet de trucs avec Mary, on vous a vraiment préparé de grosses choses. La rentrée, c'est le mois de septembre? Non, c'est pas l'octobre non plus. Non, on n'est pas à la fac non plus. Hein? On reprend pas en décembre. Non, 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 la rentrée, on va la faire juste après le major. Le major, ce sera, vous le savez, vous avez déjà les dates, ce sera autour du 15 août. C'est du 17 au 10, du 12 au 19? Du 12 au 19, je crois, exactement. Avec les groupes stage d'abord. Et puis après, vous verrez, de toute façon, les informations vous seront données. Et du coup, on a ce pass pour le Major. Or, moi, j'y serai au Major, vous le savez. Je serai caster au Major. Enfin, si vous ne le savez pas, mais maintenant, vous le savez. Donc, le pass, bah, il ne me sert pas à grand-chose. La boîte, elle est très jolie, mais je ne vais pas pouvoir la garder parce que sur le studio, voilà. La snapback des casquettes, ouais, elles sont vraiment sympas, les snapbacks. Mais moi, je préfère les caps comme ça, vous le savez aussi. Les charms, oh, je vais peut-être en garder un, mais en fait, voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Ça fait maintenant 6 mois que la Salty Academy s'est créée, et on a créé en 6 mois une grosse communauté, vraiment des personnes qui nous soutiennent au quotidien, et ça nous fait extrêmement plaisir. On vient dépasser hier sur Twitch, moi je viens dépasser hier sur Twitch, après 6 mois de streamer, je viens dépasser les 20 000 followers, donc c'est quelque chose qui me touche énormément, comme vous pouvez l'imaginer. On est bientôt à 23 000 abonnés sur YouTube. Et on ne cesse tous les jours de grandir, de grandir, de grandir. On vient de créer un compte Instagram. Il y a 2 semaines, on était maintenant sur Tipeee pour avoir ce que vous savez des contreparties, etc. Si vous ne savez pas tout ça, allez voir sur YouTube, renseignez-vous. Vous verrez dans les descriptions qui sont juste en dessous de cette vidéo, il y a pas mal de liens qui peuvent vous aiguiller. Du coup, moi, je pense que ce serait assez sympathique de rendre à la communauté ce qu'elle nous a donné. Vous en pensez quoi? T'en penses quoi, toi? Il n'y a personne d'autre de toute façon dans le studio. Mary s'est barrée. Et avec son chat, là, il fait des trucs chelous. Et je pense que ce serait pas mal
de faire gagner tout ça à la communauté. Parce que, un, il faut la remercier. Et parce que, deux, le Major, ça va être un truc de malade. Le Major, ça va vraiment, vraiment, vraiment être un truc de malade. On le sait, c'est annoncé comme tel. C'est le gros, gros, le plus gros rassemblement de la communauté française, les joueurs, la communauté, les supporters, les casteurs, les influenceurs, les personnes qui font que... Et bien sûr, l'équipe de dev, l'équipe de community, tout ce qu'il y a derrière Ubisoft et derrière ce Major, ça va être absolument fat. Vraiment. Donc du coup, voilà ce qu'on va faire. On va appeler ça le Major Pack. Le pack majeur. On va appeler ça le pack majeur et dedans, on va y mettre ce pass de 3 jours. Une valeur d'une à peu près 60 balles quand même. On va y rajouter le bout de carton, une valeur d'à peu près 10 centimes. Voilà. Ici, on va le mettre une casquette dedans, la snapback de Rainbow Six. Excusez-moi si ça bouge, je suis pas un énorme vidéaste. On va y remettre le smoke. On va y remettre le Tachanka. On va y mettre les charms. 1, 2, 12, et j'arrive plus à compter. 3 et 4. Oui, je n'en garderai pas pour moi. On va les mettre comme ça. Ça fait un beau paquet. Et comme, vous le savez, hein, ne bouge pas, attends-moi. Ne bouge pas, écoute. Ok? Ne bouge pas. Reste sage. Et regarde le plafond, c'est excellent. Alors, ouais, parce que moi aussi j'ai des trucs dans le grenier de la Salty Academy. Tu m'entends ou pas? Ok, bon bah, tais-toi. Voilà. Donc du coup, comme ce Major, hein, comme ce Major, ça va être un petit peu le rassemblement de la communauté, comme je vous l'ai dit, ça va être un petit peu le fruit d'un travail de beaucoup, de nombreuses personnes. Eh bien, ce qu'on va faire, on va remercier grâce... pardon, là, je suis un peu paumé. On va remercier pour toutes les personnes qui pourront y participer ou pas y participer, en tout cas, toutes les personnes qui font ce que Rainbow Six est devenu aujourd'hui. On va les remercier en rajoutant 2-3 petits trucs qui viendront de la Salty Academy. Alors, pas des goodies de la Salty Academy, mais vu que le Major, c'est français, on va y rajouter, vous le savez, ils le savent déjà, le petit porte-clés Yungtis qu'on va venir glisser ici. Tranquillement, on va y rajouter un petit tapis de souris Yungtis, par exemple. Ok, il est là. On va y rajouter 2 autres éléments dont vous avez peut-être pas idée. Et j'ai retrouvé il y a pas si longtemps ça, un maillot Yungtis. Il y en a que 10 dans le monde. Ouais, si tu sais pas ce que c'est, tu te renseignes et puis tu te renseignes quoi, hein? Hey, champion de Pro League, tout ça. Hein, tu vois ça? Ça, c'est ensemble. Voilà. Alors, ça, on va le rajouter dedans. C'est du S. Donc, si t'as trop bouffé, de toute façon, tu vas faire un régime. Je te connais parce que avant l'été, régime. Toujours bikini, tout ça. Ouais, bon, c'est vrai que j'avais pas d'autre. Je crois que c'est du S, mais c'est peut-être du M. Et puis, un autre truc, c'est ça. C'est un bandana Cavera, en fait. Un bandana avec une tête de mort. Voilà. Bah, tout ça, je le prends. Je le ferme, si j'y arrive. Bon, je vais peut-être pas y arriver, en fait. Et je le balance par la fenêtre. Non, je déconne. Et je le fais gagner. C'est extrêmement simple. C'est Meyep. Ouais, je suis pieds nus chez moi. Donc, du coup, dans... Et là, il y a du tabac. Alors, du coup, dans la description, en dessous, ça va être très simple, juste en dessous. Là, je sais pas si vous me voyez bien. Juste en dessous, dans la description, ce qu'on va faire, on va mettre un lien, un seul. Et ce lien, en fait, il vous permet, en faisant un certain nombre de choses, eh bien, de pouvoir participer au concours. Il y a certaines choses qui sont mandatory. Alors, si vous voyez mandatory, sachez que ça veut dire obligatoire. Donc, par exemple, ça va être follow sur Twitter ou follow sur Twitter, je pense. Et puis, il y a certaines choses, en fait, pour éviter que ce soit trop la galère, on ne veut pas non plus vous obliger. Il y a ce qu'on appelle des entries. Donc, c'est-à-dire que si vous participez à un truc, par exemple, vous allez follow sur Twitch, ça va vous rapporter 4 points, donc 4 fois plus de chances de gagner, en fait.
Et puis ensuite, pareil sur Facebook, pareil pour le fait de visiter la page de la Soldi Academy, pareil sur le fait que maintenant on soit sur Instagram, donc allez nous follow sur Instagram, etc., etc. Plus vous participez, plus vous faites les choses sans obligation de les faire, et plus évidemment, eh bien vous aurez de chance de gagner ce pack. J'espère en tout cas que ça vous fait plaisir, parce que nous, ça nous fait extrêmement plaisir à Mary et à moi de vous le faire gagner. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Comme vous le savez, c'est bientôt les vacances. Et puis, ceux qui sont en vacances, eh bien, profitez-en. On se retrouve au Major pour ceux qui y iront. Et puis, pour les autres, bah, juste bonnes vacances ou à bientôt sur le net.